Bienvenue sur Yoki Création. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du livre 4 saisons sans coloriage de Hachette Heroes de la collection Art Therapy. Ça fait un petit moment du coup que je le possède et il fallait à tout prix que je trouve le temps de vous le présenter. Étant donné que je souhaiterais le commencer, voilà. Et vous savez très bien que je ne commence pas mes livres si je ne les ai pas présentés. Donc comme d'habitude, je vais un petit peu blablater. Et par contre, il n'y aura pas de musique pendant la présentation. Voilà, parce qu'à chaque fois, j'ai des signalements dus aux droits d'auteur, etc. Donc, c'est un petit peu pénible. Donc, du coup, je préfère blablater. En tout cas, il est vraiment super sympa. Il est vraiment super sympa. Franchement, ça porte bien son nom. J'aime beaucoup les illustrations qu'on retrouve à l'intérieur. Hop, je regarde si c'est correctement cadré. En tout cas, j'espère que vous, de votre côté, vous allez bien. Moi, écoutez, dans l'ensemble, ça va. Comme pour certains qui le savent peut-être ou pas, j'ai retrouvé un emploi depuis environ un mois et demi. Ça se passe assez bien. Donc, j'ai même renouvelé mon contrat, là, du coup, jusqu'au 31 mai. Et je suis assez contente parce que même si je travaille à Leclerc, on pourrait penser que je travaille en caisse ou à l'accueil ou en rayon ou quoi. Mais c'est assez diversifié étant donné que je travaille à la boulangerie le matin et entre midi et deux, je travaille à la poissonnerie et également à la coupe. Donc quand je vous dis à la coupe, ça veut dire fromagerie et charcuterie. Et vu que je fais multi-activité, j'aime assez en fait ce concept-là parce que du coup, je ne reste pas sur un seul et unique même poste. Je fais plusieurs choses et j'apprends plein de choses tous les jours dans tous les cas. Et du coup, ce que je fais, ça me plaît énormément. Alors, je dis pas ça parce que je sais qu'il y en a qui me regardent en vidéo ou quoi. Je le dis parce que je le pense réellement et honnêtement, à choisir, à mettre en rayon et à être en caisse à Aldi et travailler dans plusieurs postes dans une même semaine à Leclerc, très clairement, je préfère Leclerc. Voilà, très clairement, même si j'avais dit comme quoi je n'y retournerai pas suite à ce qui s'est passé il y a 2 ans en boucherie. Oui, parce que j'ai travaillé en boucherie pour ceux qui ne le savent absolument pas. Comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent absolument pas d'avis. Donc de ce fait, je suis retournée à Leclerc, ça fait un mois et demi que j'y suis. Et j'en suis assez contente pour le coup. Mais franchement, après pour en revenir à la présentation du livre... Le livre, il est vraiment incroyable. Il est vraiment incroyable. Franchement, je l'aime beaucoup. Je n'avais pas du tout regardé la présentation que Bruno Art Gallery avait fait sur sa chaîne YouTube. Et lorsqu'il avait montré lors l'un de ses lives sur Instagram. Mais honnêtement, j'ai bien fait. Déjà, de base, Jasmine, c'est... un dessin animé que j'aime beaucoup, déjà de base, l'illustration en elle-même avec Jasmine, c'est une tuerie. Honnêtement, c'est une tuerie. Donc, j'ai bien fait en fait de ne pas regarder le livre en avance et de me garder la surprise jusqu'à ce que je fasse la vidéo. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo de présentation vous aura plu. J'espère que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure de votre côté, vous allez bien. Et comme d'habitude,
la vidéo, elle est terminée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine future vidéo. Et sur ce, je vous fais un très très gros bisou. Je vous souhaite de très bons coloriages, de très bonnes créations. Et je vous dis à la prochaine !